Et clap, clap. Merci. Voilà. La vie me l'a activé le truc. Ok. Salutations. Du coup, salutations. Rediffusion, voilà. Vous allez vous manger une rediff du 13 janvier. Non, le 13 février, du coup. C'est assez cool, hein. On a eu une hier. Vacances, j'en profite. Ça va me faire un peu d'avance comme ça. Moins de pression quoi, tranquille. Bon, j'ai un truc à faire sur le jeu nul là. La mise à jour elle sort dans 9 jours et 2 heures. Ok, bah, faisons vite fait ce truc sur le jeu nul là. Je crois que ce bateau n'aura jamais de décor. Au pire c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas de décor sur le jeu, on le sait très bien. Potentiellement plus tard il y aura du décor, mais bon. Moi je compte pas sur une night game pour faire du décor. Là où Conan Exile a tout et n'importe quoi comme décor, t'as toutes sortes de conneries. Dans Son of the Forest, t'as rien. Et dans The Forest, t'as rien. À part ton imagination. En attendant que ça charge, moi je vais dépoussiérer un peu le clavier. Le problème de ce jeu là. Mais si moi je galère à charger ma partie avec mon PC de ouf, j'imagine pas de Chocky comment il doit galérer à charger sa sauvegarde là. Salut Cédric. Ouais, je crois que ça fait 2-3 siècles que je t'ai pas vu sur le chat, c'est étonnant. Je pensais que t'avais voyagé dans le temps et que t'étais resté dans le futur. C'est quoi ça? C'est... Qu'est-ce que... Mais... Attends... Attends, qu'on récapitule un truc là, le jeu. Moi, je sauvegarde sur mon bateau. Toi, tu me fous là en plein milieu de la forêt qui clignote avec un personnage qui flotte dans les airs. Donc, non. Je sais pas ce que t'as chargé, mais ça, c'est pas ma partie. Voilà. Hop, donc, ouais, oui, exact, oui. Non, j'ai attendu une plombe qui charge et en plus pour rien. Je vais laisser Orange Rouded, moi, ça je vais construire, je vais être tranquille, je vais faire ce que je veux. J'ai envie de faire un poteau dans une montagne, je fais un poteau dans une montagne, j'ai envie de faire une... Dessiner une bite dans une montagne, je pourrais dessiner une bite dans une montagne. Voilà. Si j'ai envie de faire un bateau dans une montagne, je ferais un bateau dans une montagne. Là, c'est possible ça, on peut faire des toitures. Hein. Oh, intéressant. C'est bon, voilà. Tu vois, jeu, la différence entre ce magnifique bateau et ton milieu de pampa dégueulasse où je savais même pas où t'étais paumé, connard. Bon, moi j'ai une idée pour la cale, là. J'ai une idée, on va faire des prisons, des cellules. Comment on joue au jeu? Comment on ouvre l'inventaire? Et j'ai une idée pour les cellules avec des bâtons, là. Genre tu peux les planter comme ça et par-dessus. Non ? Ok. Du coup, je peux faire ça. Hop. Et on fait des cages. Et pour boucher l'eau de la cage, je sais pas, je trouverais bien un truc. Voilà. Du coup, bah, dans une cale de bateau, il y aura des prisons. Il va me casser les couilles avec son trait.
Après, je sais pas trop quoi mettre d'autre comme décor. J'ai pas d'idée. Par contre, elle est pas droite. Que ça soit un peu plus droit que ça, quoi. Et puis genre, je sais pas, tu fais une espèce de barre comme ça, là, non? Pas des barreaux, non, juste des barreaux comme ça. Ah, il aurait fallu y penser avant, c'est ça? Genre, si je fais ça et qu'après je dis rien, ça pourrait faire genre une porte. Ouais, non, mais ça, la musique de Soul Calibur, elle est relou. Elle est toujours en train de gueuler et s'exciter pour rien, celle-là. Pourtant, le truc de décibel est revenu à 8,5. Il a pas bougé le live de l'autre fois, je crois. Attends. Mais 8,7. Mais je peux pas coller des barres en bas. C'est pour faire le bas de la porte. Mais c'est vraiment de la merde ce jeu en fait. Non mais ils sont sérieux. Je peux faire le haut. Ah d'accord. Il me dit que je suis dessus. Il me dit ça va être en l'air. Voilà, ça serait bien là. Ok, je vais essayer un truc. D'accord. Celle d'avant c'était une musique de Command & Conquer, donc c'est normal parce que les musiques de Command & Conquer elles sont plus fortes que les musiques de SimCity 4 par exemple. Parce que sur YouTube en fait les musiques tu trouves pas la même qualité sur tous les sons. On appelle ça la magie d'internet. C'est-à-dire que des vieilles musiques de vieux jeux, pour les trouver c'est la misère. Donc derrière faut les passer en logiciel de montage pour les mettre tout au même niveau sonore. J'ai un métier, une chaîne YouTube, j'ai pas vraiment le temps de faire des espèces de petites conneries comme ça. Tu sais, y en a, ils branlent rien de leur journée, ils pourraient le faire, par exemple. Mais bon, à quoi ça leur servirait de le faire? À rien. Voilà. Et moi, j'ai pas le temps. Du coup, c'est pas fait. Ouais, je vais toucher le chômage comme un branleur. Et vu qu'ils ont tout changé au niveau de ces règles-là et que de toute façon ils ont pas envie de, ils ont pas envie que les gens ils aient des aides, bah, tu finis à la rue. Ouais, c'est une bonne strat. Je peux pas mettre un truc là pour me faciliter la vie parce qu'il veut pas faire ce que je veux faire. Distance de merde. Ok.
espèce d'idée à la con aussi. Mais il est stupide. Ouais, on va dire qu'il est stupide. J'aurais préféré que ça soit plus... un tout petit peu plus bas. Ouais, comme ça. En bas là, ça aurait fait genre une porte et tout. Ouais, ou comme ça, ça fera genre que la porte elle est là quoi. Oh, il casse couille. Enfin, c'est que si je fais ça, je peux pas sortir après. Parce que c'est pas une vraie porte. Donc, putain de jeu la con là. Laisse-moi te bosser tranquille. Franchement con ce truc. Oui, vas-y. Voilà, mets-le là, t'es content. C'est beau, allez, dégage. Arrête. Mais... putain, mais il est vraiment con, hein. On s'en bat les couilles de ta flèche de merde, de tes traits de merde, de ton jeu de merde en fait. C'est que t'as des jeux, on peut annuler ce truc là qui te bloque là, avec une touche magique. Putain de ta race. Eh ben mets-le ici, voilà, t'es content, ça marche pas, voilà, donc le mets pas. Ah, il insiste, ok, ça passe. Mais putain, mais... Eh, hey, Night Game, vous vous rendez compte que votre jeu va couler niveau build? Parce que ouais, c'est un truc de ouf niveau survie, mais le reste, une fois que t'as fini l'histoire, t'en bats les couilles en fait, tu vois. Donc pour la survie de votre jeu, ce serait mieux de pas faire de la merde. The Forest a survécu grâce au build, donc ce serait bien d'éviter de faire de la merde.
Après, si vous voulez qu'il meure, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, si vous trouvez que... ouais, c'est bon, on a fait deux jeux. On a fait du pognon. Ça suffira, non? Alors... j'ai fait une sauvegarde parce que je me dis que... j'ai pas pensé à tout, en fait. Dans cette prison de mort. Parce que moi, je me suis dit, hop, je vais pouvoir faire des barreaux avec les trucs, c'est bien, ça fait des barreaux, c'est nickel. Et le dessus. Je vois que ça arrive au bon niveau et tout. Et c'est maintenant que je vois ça, en fait. J'aurais pu voir ça avant, quoi. Ça va, il dit rien. Ça va, il est débile, il dit rien. Ah merde, ma porte elle est mal placée. Ah, c'est pas grave. Voilà, elle est mieux placée comme ça. Hop. Et là on fait du plancher. Non, du plancher. Ouais, trop cool! J'ai fait ma prison! Voilà, maintenant il en faudrait une autre ici. Puis bah, peut-être derrière, mais. C'est chiant. Je pourrais pas. Y'a pas un truc pour faire, je sais pas, des tonneaux. Forest, ça aurait été possible. Avec des murs en pierre, on aurait fait des trucs, quoi. Mais là, devine quoi, c'est un jeu de merde. T'es obligé de te fier à ce point, ou ce point, ou ce point, ou ce point. J'en bats les couilles de tes points. Tes points de merde, là, qui cassent tout, j'en ai rien à foutre. Je vais aller sur un Shrew Dead, là. Comme ça, il n'y aura pas besoin de points. Il n'y aura pas besoin de machin ou de truc. Ou attends, qu'est-ce que j'ai oublié là? Ah ouais, faudrait que je détruise tout ça pour faire ça. Non, il y a sûrement d'autres problèmes sur le jeu. Il a pas cette time. Hein. Ah si, mais faut faire pas on, faut faire 12. Bon, tu vas sur le truc. Voilà. Et ah, c'était déjà à droite. T'as de la chance. Parce que moi, quand j'appuie sur flèche de droite, en fait, l'espèce de barre là, bah, elle se déplace. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. C'est fou parce que ça, là, ça fonctionne. C'est vraiment drôle.